Coucou, alors bonjour à toutes et tous. On enlève mes doigts de devant là. Donc je vais faire le tirage au sort. On est samedi soir. Je vais faire le tirage au sort pour le petit. Alors, je vous le montre. Voilà pour ce petit carnet que je vous ai présenté. Alors j'ai pris la vidéo du jour de la présentation. Donc j'ai noté tous les noms, il y a Maryse, Béa tout à la fois, Karine D, Nani, Scraproro, c'est Roxane, Claudine Barbier, Patricia R8559, Martine Emen, Créa Mélis, One Pierce, Marie Poppins, Hélène et David. Alors David, je ne sais pas s'il sera intéressé, par contre j'ai pas mis le nom de l'autre personne que je ne connais pas du tout, qui est venue sur ma chaîne, voilà, je la connais pas, je ne sais pas de quel pays elle est, alors je veux bien envoyer, voilà, puis en plus, elle m'appelle sa belle-sœur, donc je pense qu'il y a un petit souci, donc voilà, je suis désolée, mais je ne l'ai pas mis dans le tirage au sort. Voilà, donc, quoi vous dire d'autre? Donc, je vais faire tourner la roue, voilà le logiciel, tirage au sort, j'ai copié tous vos noms. Voilà, pour Scraproro, j'ai mis Roxane, Nani, j'ai mis Couleur. Voilà, comme ça, il y a bien les 13 personnes. Un nombre gagnant, voilà. Alors, je vais appuyer, tourner la roue. Alors, attendez, j'ai fait un essai avec les chiffres, mais je me suis dit non. Oh là là, voilà. J'ai fait un essai en mettant avec le nombre, parce qu'on peut choisir ici. Par nombre, mais après j'ai dit non, faut que je... Bon, allez hop, j'ai essayé avec les noms. Allez hop, allez, on fait tourner la roue, on va voir le résultat. Là, ça défile tous les noms, ça revient, j'ai mis avec animation, comme ça, ça dure un peu plus longtemps. Alors, qui va être choisi? Eh bien, c'est Maryse Doudoune qui a gagné mon petit carnet. Eh bien, voilà Maryse. Alors, quoi vous raconter d'autre? Ben, Maryse, hein, j'ai ton adresse, j'ai tout à la fois. Alors, je sais pas, tu m'as parlé, tu m'as dit que tu allais partir, je sais pas, peut-être en voyage, là. Donc, je ne sais pas, on va voir hein, quand est-ce que je t'enverrai ça. C'est pas un jour près, je suppose. Donc, je vais voir ça avec toi. Tu me mets un petit message sous la vidéo, comme ça, je suis sûre que... Si je l'envoie, tu es chez toi, parce que c'est vrai qu'il y a tellement... Alors, je l'enverrai à plat, hein, pour que ça passe dans une enveloppe normale et pas dans un... Sinon, ça va dépasser les 3 cm. Voilà, donc je mettrai ça. Et une petite carte. Et puis aujourd'hui, bah, comme il fait un temps exécrable, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez Action. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on n'y était pas allé. Mon mari voulait voir un truc pour son vélo. Voilà... acheter un petit compteur, et comme chez Action, c'est pas très cher, donc il a trouvé son petit compteur à 6 euros, voilà. Et moi, je me suis acheté, alors ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas acheté de papier, alors je me suis pris ce bloc-là, voilà, pour mettre un peu de la couleur. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, voilà, il y a des fleurs, il est recto verso, alors il est rempli de peps, voilà, ça fait printanier, ça fait... alors, je pense, moi, c'est la première fois que je le voyais. Évidemment, comme je ne vais pas souvent, mais il y a des cerises, des trucs assez sympas. Je vais faire des enveloppes un peu gaies avec ça, voilà, pour mettre des cartes colorées à l'intérieur. Voilà, regardez, c'est assez sympa. Moi, ici, là, c'est tout violet, tout simple. Mais c'est vrai qu'on peut faire de jolies enveloppes avec ça. Voilà, ici il y a des petits cœurs, ici il y a des mois, voilà, avec des jours, je ne sais pas, janvier, février, on peut faire un... Voilà, voilà, c'est tout. Celui-là, je l'aime bien, les couleurs. Moi, j'aime la couleur, hein. Ça, j'aime que, bah, qu'il y ait de la couleur, quoi. Ça, j'aime bien aussi. Je trouve ça très sympa. Voilà. Ça, c'est des petites choses que j'enverrai bien à ma fille découper parce que je sais qu'elle aime bien son truc. Elle, comme elle envoie des... Voilà. On pourrait les glisser, ces petites étiquettes
sur ces envois. Je l'en mettrai. Voilà, voilà. Voilà. Et moi, je n'ai rien, rien acheté d'autre. Regardez ça un peu, comme c'est coloré, c'est super sympa. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà. Ben, je crois qu'il doit y avoir les pages les mêmes, hein, parce que je dis, ça se trouve, j'ai... Ah, oui, ben, c'est les pages, elles sont en double. Donc, on peut utiliser un côté après l'autre. Ben, c'est pas mal, en fin de compte. Donc, voilà. Donc, ici, on a toutes les pages qui défilent. Et je crois que c'était 1,99€. Alors, vous voyez, je n'ai pas fait de folie. Voilà. Il fait un vraiment moche. Hier, il a plu. Aujourd'hui, il a plu. Donc, hier, on n'est pas du tout sorti. Voilà. Dès qu'il y a eu une éclaircie dans l'après-midi, mon mari est allé à la déchetterie et puis il a coupé quelques branches. Voilà, on ne peut rien faire d'autre. Et moi, j'ai fait du crochet, j'ai regardé un téléfilm. Voilà, et j'ai fait de la cuisine. Voilà, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tourte au thon, j'ai fait des petits feuilletés, voilà. Enfin, je me suis occupée à cuisiner, voilà. À regarder la pluie tomber. Et ce matin, quand on s'est levé, pour vous dire, hein, 13 dehors, hein, donc c'est quand même pas un temps du mois de juin, quoi. Et cet après-midi, ben, ça n'avait pas beaucoup monté. Non, c'était 11 ce matin, je raconte des bêtises, et 13 cet après-midi. Quand on est revenu d'action, voilà, 17h30, dans la voiture, il faisait 13 degrés. Mon fils m'a dit qu'à Paris, c'était pas mieux. Ma fille m'a nargué en me disant qu'il faisait beau dans le sud. Évidemment, à Antibes, il fait plus souvent beau. Mais elle me dit quand même qu'elle n'a pas le temps ou la chaleur habituelle et que ça lui convient tout à fait. Donc, voilà. Donc, Maryse, tu me mets un petit mot pour me dire si tu es chez toi. De toute façon, je ferai partir ça comme on est samedi soir, dimanche. Nous, là, notre poste n'est pas ouvert avant mardi. Donc, voilà. Je ne la mets pas dans la boîte aux lettres avec la pluie. Puis, ça ne passera peut-être pas dans la fente. Alors, je préfère le donner à la postière carrément. Donc, ça partira pas avant mardi. Alors, mardi, on sera le... Je ne sais pas combien... Donc, tu me diras, je vais regarder ça tout de suite sur mon... Mardi, on sera le 18. Ouais, c'est ça, le 18. Donc, ben, si tu pars après, tu me diras que tu sois chez toi, parce que des fois, les boîtes aux lettres sont encombrées, et si bien que... Voilà. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine parce que je mettrai cette vidéo en ligne dimanche soir. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !